Kai de Tess. Wesh, wesh. Alors... C'est pas la meilleure intro de vidéo. Ça va tous les amis. Allez, où est-ce qu'on va? Je suis trop heureux. Il y a des quillfish ici. Oh, je vais pouvoir avoir un autre shiny en quillfish, trop bien. Quillpic en shiny, là. Trop bien. J'ai eu la baie en sucre, c'est pas pour créer. Ah ben, un haché catcheur sauvage. Bah ouais, suis... bah super. Sérieux ouais. Super, hein. En face de moi, ouais, il est là. Ça écoute se faire chier, là. Est-ce qu'on a eu une herbe au moins? J'ai même pas vérifié. Pas bon. Allô. Picasso, tu rentres dans la bol, là. T'es Pokémon de chiasse. Très content de ton action dans le chat. Bah oui, écoute. Ah, on perd pas la main. Hein. Attends, c'est hop où là. J'ai vu la petite là-bas. Tac. Bon, ça y est, j'ai normalement enfin fini pour ce soir. Peut-être temps. Mais c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, c'est même pas un truc de heal. Okay. Ouais, il y a des espèces de petits trucs comme ça, il y en avait un dans la zone des canyons aussi. Je sais pas du tout à quoi ça sert. On dirait des espèces de promenades. C'est des ongles. C'est des trucs avec du... des items dessus. Quoi. Non, il y a pas d'items, j'ai l'impression. Moi j'en ai eu des items. Ah ouais, ouais. Bon, voyons voir. Oh! Sablette d'Alola, oh là là, quel chien. Et lui, il est pas en trois petits points d'interrogation. Bah pourtant, on n'a pas eu Sablette normale. Bah, si, si, bien sûr, sûr, dans le DLC 1. Ah, dans le 1 j'ai même eu Sablette en shiny dans le désert. Bon, oh, Sablette d'Alola, c'est chef d'œuvre, hein, c'est pris. Il est quoi, glace à chier, je crois, en plus. Glace à chier, ouais. Allez. Mais après, elle te... Non, elle donnait un truc de Wishu. Ouais, elle... glace à chier, c'est ça. La photographe, elle donnait un Pokémon de Wishu, mais je sais plus lequel. Bah, c'est pas Ganilos. Oui, c'est Ganilos, ouais. Ça, ouais. Elle te le dit, en plus, elle te dit, ça serait bien. Surtout qu'elle en a un, donc. Bah ouais. Ah bon, on la revoit, la photographe? Oui. Bah ouais, dès le début, en fait. Dès le début, mais c'est ça. Tu l'as raté? Je l'ai même pas, je l'ai totalement raté. Putain, mais c'est juste... Et vous rushez le jeu, là, c'est ça. Moi, la waifu, c'est pas elle, c'est si, c'est elle, la waifu, c'est évidemment. Je préfère la meuf de Pokémon que t'as. De 10 ans. Moi, je préfère la rappeuse noire. Rappeuse noire. La grosse. 50 balais. La grosse qui est chef d'arène. Ah, ouais. Oui. Oui. Il a dit. Et grosse femme. Baleine. Sympa, le mec. Bah, je suis plutôt grosse ovio-phobe parce qu'en plus, elle est. Ouais. Elle a genre 60 pitch. Ouais, tu... Ah, quand même. Tu cumules, quoi. C'est le cumul des mandats, lui. C'est... Gérontophobe. Gérontophile. Gérontophobe. Oui, non, gérontophile, c'est l'inverse, du coup. Gérontophobe. Les rotophiles. Rotophile. T'aimes pas les rotophiles, mais c'est okay, sympa. C'est sympa, le. Wow. Ouais, y'a pas la glace double. Y'a pas la glace double boule. Je regrette, c'est un DLC de merde. Je sais pas s'il y est, je crois pas. Mais sûr, il y est pas. Bah, selon les leaks en tout cas que Young a envoyé, il y est pas. Ah, mais Young, il faut pas l'écouter. Oh, regarde, il parle pas. Quand même. Tellement triste de ces leaks. Oui, après, c'est vrai que Young il nous déteste, mais ça c'est après. Mais non, je suis triste des leaks, moi. C'est vrai, bah, moi aussi. Bon, Quillpic, fiche mes couilles là, tu vas rentrer hein. Putain, il me bute le gars. Du niveau 100, il me bute quoi. Ah bah Young avait dit hein, les combats les plus durs. Ah bah oui. Pic d'Alola. Non mais vous rigolez, mais ça a été calculé les mecs. Par contre, je suis quelque part. De quoi ou... Comment ça j'ai pas la de mes... Les combats à la fin du jeu, ils ont calculé la moyenne de niveau des Pokémon, et c'est le jeu le plus dur de toute la série. Red et Cynthia sont plus faciles à battre.
mais non. Bah après, c'est vrai que le combat contre l'autre, la Volo, là, j'ai plus son nom en français. Le mec qui ressemble à Cynthia. Vélo ? Ouais, c'est pas facile. Ouais, Vélo, exactement. Ah, Percupio. Ouais, Percupio. Ah, vas-y, franchement, c'est vrai. Percupio, Percupio, il était horrible. Il était super dur en ouais, vrai. Ouais, il était super dur, mais super. Il est même pas. Je suis vraiment pas étonné de la stat pour le coup. Il est même pas dans le top 3 hein, des plus durs. Hein. Ah bon ? La plus dure, c'était Cynthia, ensuite c'était Red, et là, il y a un mec qui est au-dessus. Ah ouais, ok. Alors par contre, les gars, information, quand on fuit un combat, le Pokémon dépop. Je viens de voir ça à l'instant, mec. Non ouais. Ouais. C'était pas le cas avant. Alors ça le fait en coop. Moi, je viens de le faire contre un Vivaldin, il est resté là. C'était pas le cas avant. C'était que en coop. Non, c'était pas le cas. Oh, Terral. Peut-être en coop, c'était le cas. Merci Aria pour le saut. Comment ça va? Oh, j'ai trouvé Terral, c'est bon, c'est gagné. Comment que ça va, Aria? On rappelle Terral qui a le même coup de capture que Rayquaza. Rayquaza, c'est une merde. Donc Rayquaza, on pourra pas l'avoir un... Ok, putain. On pourra pas l'avoir, ça serait mieux. Ouais, c'est pour ça que je vais fermer ma gueule, pardon. Il va y avoir une forme girafe... Oh non, un Girafe-Quaza. Girafe-Quaza. Oh, y a gros tas de morphs d'Alola aussi. Ah oh, non. Est-ce qu'elle a... Oh, trop bien. Mon esprit. Comment ça, t'es malade? Il faut aller au milieu, c'est trop bien au milieu. Ah ouais. Ouais, il y a des... Moi, j'ai la zone de glace, c'est trop bien en vrai. Non, au milieu, il y a une dame, et puis je lui ai parlé, et puis maintenant voilà, ça devient le meilleur jeu de la Terre. Voilà. Maintenant, c'est ma femme. En fait, elle met à 60 FPS. Ah, non, ça n'arrivera jamais. Ben, il était là, ah, ça serait tellement bien, putain. Oh, mais j'avoue, en vrai... rêve. Non mais en fait ce qu'ils se rendent pas compte c'est qu'ils font un jeu qui est fluide, c'est un chef d'œuvre. Courage, en fait. Il manque juste ça. Il manque juste ça, putain. Franchement, il manque juste 20 FPS et c'est gagné en fait les gars, vraiment. Et Mangriff, il était déjà là Mangriff. Moi je crois sur la Switch. Mangriff, je crois pas. Ça me dit rien, en tout cas. Mangriff, il était dedans, il était C'est dans le DLC non? Non bah non. Non c'était une exclue. Ah c'est dans le jeu de base? Ouais. Ah c'est une exclue, c'est pour ça que je m'en souviens pas. OK. Parce que oui, c'est une exclue carrément. Ouais. Alors, fou le camp, espèce d'immonde saloperie. Voilà. Oh, c'est quand même quoi que. Oh, il y a des. Ok, ouais, oh, j'ai vu ce que Yung a capturé. Oh mon dieu. Hihi. J'ai Bazookan, moi. Hein? Je viens de choper Bazookan. Alors, attends. Ça, je vais aller... mettre tout camp en légende. Je vais aller à la zone du milieu. Mais. Là, si j'en chope en chaîne, j'appelle maître tout camp. Voilà. Par contre. Bazookan. Bazookan. Là, vous avez vu, Omegle a fermé. Courage, Aria. Oui, c'est pas grave, vu que tu peux montrer tes blessures. Non, c'est le jeu qui l'a. C'est vrai, putain, c'est vrai. Je vais essayer de désactiver la capture. Et c'est légal, c'est de l'art. C'est de l'art. Je sais pas si ça vient de moi ou pas, mais... Nichon artistique. Bah, écoute, tant que tu te peins un peu dessus... Ouais, voilà, c'est ça. Tu te mets un peu de peinture. Peut-être la capture qui lag. C'est parti, hein. Peinture lue. C'est trop bien. Bon, par contre, Terral. Je viens d'activer la meilleure fonctionnalité de l'univers. Il faut vraiment que vous veniez au centre. Bah, j'y vais, mais on est à 8 FPS à 24, donc c'est très compliqué. Tellement mais j'arrive. C'est pour ça, vraiment, jouer en solo. Hein. Moi, en vrai, c'est jouable. Hein. Mais je crois que, en vrai, je crois que ça part là-dessus. Mais en fait, mais moi, c'est je pense aussi la raison pour laquelle on jouait pas beaucoup en coop. Hein. C'est que vraiment, c'était pas. On peut pas grimper sur les cubes Tetris, en fait. Non, ouais, l'équipe peut pas grimper, ouais. Oh, c'est nul. En plus, en coop... Ah, on peut même pas grimper là? Non, parce que t'es en bord de map, toi. Comment ça, tu es en bord de map? Tellement loin de la zone du milieu. Bah, tu le vois, si tu fais toute la map, tu vois que t'es en bord. Oh là 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 là. Oh, sa mère, je suis tellement loin de la zone du milieu. Ah, mais c'est sous la boule, du coup. Je suis parti complètement dans le mauvais sens. Bah ouais, mais dans l'autre sens, je croyais que j'étais dans le bon sens. C'est pour ça que tu pouvais pas monter les bords, en fait, c'est tout. Faut aller vers Grouch, là, c'est ça, au milieu? Pardon? Attends, parce qu'il faut que je dégage le chat. Merde. Faut aller vers quoi au milieu? Mais tout seul, du coup. Je suis vraiment au centre de la map, là, sur le... Il est en train de devenir dingue. Sur le grand rocher rond, c'est ça, Grouch? Ouais, non, sur le... Ouais, je suis juste à côté de toi, Yong, visiblement, sur la map. Et là, t'as une... T'es où? Je vois pas. Puis en haut, là où il y a les distributeurs. Ah, mais descends. Descends, ouais. Ouais. Donc, moi, je suis à la meuf, alors... Vous pouvez me décrire le truc? Ah, c'est le truc où il y a plein de cubes blancs, là, multicolores, qui se rejoignent, là. C'est oui, le centre de la map, hein, quand c'est même, le centre, en fait, ouais. Okay. Vous en faites pas, le centre restera toujours là. Le centre. Voilà. Et là, t'as une meuf, certainement. Je sais pas si tu la vois.
Il y en a une là. T'as une quête jaune, non? Non, même pas. Non. De l'autre côté, tu l'as pas? Non, y'a personne. Ah merde! Bah, moi, elle est là et j'ai eu une quête avec elle et je l'ai fini. Bon, bah, tant pis. On entend plus trop Sid. Non, mais Sid, ça lag trop, c'est un enfer absolu. Allez, ah, putain, même les menus. Elle est où, Groot, le truc que tu disais? Sûrement. Ah, bah voilà, putain, mais c'est mille fois mieux! Là, tu la vois ou pas? Je te vois devant. Non, je te vois devant. Ah, c'est la meuf à côté du truc qui soigne le Pokémon, Groot? Là, on est en x2. Non, en bas, c'est moi. Merde, là. Ah, c'est le poulpe à la con. Si, ouais, mais t'as peut-être raison. Elle était à côté d'un truc Pokémon. Bah, je crois, parce que moi, j'ai un dialogue en orange, là. Enfin, en jaune. Voilà, c'est ça. T'es où, du coup? C'est Chrony, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Mais t'es où? C'est à côté du... Mais moi, je suis pas avec vous, donc de toute façon, vous allez pas me voir. C'est à côté du truc pour soigner. C'est en haut, là où il y a la reine. C'est en haut, ok, très bien. Là où j'étais au début. Ouais, ok. Bah, moi, c'est là où t'as le truc d'échange et tout, quoi. Alors... Quand vous allez y aller... Ok. Moi, je dis, c'est juste la meilleure fonctionnalité de l'univers, voilà. Merci. Ah, mais je vois ce que c'est. Non, que c'est moche. Non. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais oui, c'est moi, putain! Innovable. Oh, c'est trop bien. Genre les zones d'entraînement. Oh, j'ai rien, mais. Oh non! Putain, c'est trop bien. Le meilleur jeu de l'univers. Ah, je peux les buter, c'est trop bien! Non! Ah, je suis tellement heureux. Ah, synchro, ouais, j'ai. Mais non, mais attends, mais quoi? Tu veux bien participer, ok? Oh, c'est trop bien. Zone d'exploration. Oh, c'est trop bien. C'est la meilleure fonctionnalité de l'univers, on est d'accord. Vas-y, on va prendre... Attends, mais je vais le refaire. On va prendre lui. Du coup, il faut le faire une deuxième fois. Il faut le faire une deuxième fois. C'est incroyable, ça. Faites-le deux fois. Okay. Expérience incroyable. Moi, plus tard, je suis en train de parler à la meuf, là, le tarot. Un tarot? On dissout le groupe. Bah il est déjà parti Sid. Ouais donc on peut. Ouais je trouve que c'est synchronisé que celui de ton Pokémon. Oh excellent. Déplacement en équation avec tes pensées, genre de tes déplacements, tu vois là. On est en train de spoiler tout le monde là. Ah c'est excellent, c'est trop bien. Bah de toute façon c'est bon, on est tous rentrés dedans là groupe. Hein. Oui oui. Non pas moi. Mais bon oui mais t'avais compris ce que c'était. J'avais viré mon casque parce que je voulais pas que ça spoil au cas où donc. Ah justement, ça se pose justement. Bah ouais, mais je sais pas, je vous entends tous hurler et tout, donc je me suis dit, vas-y, je vais enlever le casque. Et je me suis barré du truc aussi, ça ramène trop. Ouais, ils nous détestent. Ah ouais, non, mais c'est de la merde, les gars. Je vous aime pas assez pour jouer à un jeu à 2 FPS, hein, je suis désolé. Ah ouais. Non, on avait compris, tu nous aimes pas. Tu nous aimes pas assez. Note ça dans mon calepin. 18h15, 14h. Oh non, c'est trop bien. Non, en vrai, c'est incroyable. C'est trop bien. T'as vu, c'est cool. Quand tu le fais une deuxième fois, c'est trop cool. Ah, et ça ne peut être utilisé que sous le dôme, ok. Je le dis, c'est de la merde. Mais ça, c'est de la merde. Attends, ouais, bah vas-y, va croiser des shiny comme ça, tu vas bien rigoler. Hein. Bah ouais. On s'en fout. Tu peux pas les capturer. On est pas là pour croiser des shiny. Quand tu vas en croiser par hasard. Avec cette méthode. Bah, rien faire. T'as qu'à te. Ouais. Mais tu te désynchronises. Allez voir le nombre de shiny qui ont été ratés avec cette méthode. Bah on s'en fout. Oui. Bah zéro pour le moment. Clairement. T'as qu'à pas jouer avec la méthode et puis c'est tout en fait. Je sais pas moi c'est la vie. C'est déjà tellement facile à choper en vrai les shiny dans le jeu. En fait c'est rigolo mais ça sert à quoi? Ça sert à rien, mais c'est trop bien. D'accord. Arrêtez mais soyez heureux dans votre vie. Non mais c'est de la daube, si c'est juste se balader... Avec ton Pokémon. Bah non, tu prends un drac au feu et tu peux voler au-dessus de la map, quoi. Mais... Oh, c'est chaleur, hein. C'est trop bien, j'ai pas essayé ça. Donc j'essaye. Par contre, moi j'aimerais trouver un endroit pour me heal. Je pensais dire un endroit où t'as plus de 3 FPS. Ça va être compliqué. Bah là, ça y est, c'est fluide maintenant qu'on est plus ensemble. Ouais, bah. Pas logique. Ça ramait dans le truc aussi, hein. Donc en fait, finalement. Moi, ça rame plus là, hein, avec le. Maintenant là, qu'on est déco. Là ça va mais Moi en vrai j'ai des coups de lag en solo mais je trouve que c'est quand même relativement fluide en vrai. Non, ça m'a lancé des quêtes journalières dégueulasses. Ah non moi c'est largement mieux là.
Oh, il y a plein de météo. Ah, mais ça vous a quitté du coup? Non, j'ai fermé le. Non, non, bah non, ah, c'était. Oui, okay. T'es Young Lourdes, t'es. Ouais, non, non, mais. Jeune host FR. Exactement. Ah, mais attends, je suis con parce qu'à côté de la meuf, il y avait un. Un truc de. Quand j'ai une apparition massive de météo. Bah, ça part en shiny. Ah, ouais, surtout que tu ne le vois pas, donc bah, du coup. Et surtout qu'il fait destruction. Pas le moral au Bern, là. Ah oui, il faut au moteur, du coup. Dab. Il est au moteur. C'est quand même okay. Vraiment difficile de le comprendre, tu ne le vois pas en fait. C'est terrible. Allez-y. C'est pas le seul. Alors, du coup, j'ai quoi, moi? Oh, il y a Camerupt. Dommage que. Bah, ah, j'ai un. Là. Ah, voilà. C'est large. Ouais. Ah, des crémis là. Trop en là. Plus, apparition massive avec des petites étoiles. Donc, je pense que Pierre, c'est moins que les autres. Ah, ouais, c'est des apparitions plus plus là. Aussi. Ouais. Par contre, j'ai rien d'autre. D'autre bah, en fait, je crois que ça y est. On ça a m'a fait déco d'histoire. Ah, non, la zone côtière. Ah, t'as quand même toute une histoire à faire. Mais... Ouais. Ouais, mais bon, celle-là. Ouais. Ça y est quoi. Ok, Sid. En haut à droite de la zone centrale, c'est bon, là tu as un lac. Y a un en fait, la dernière fois, quand vous m'avez dit ça, après j'ai check la rediff, j'avais l'impression qu'on les entendait plus. Tout compris. Genre, j'ai une rediff de. Quand vous m'avez dit ça, on était sur Suika Game, et quand j'ai check la rediff, on entendait plus Yori en fait, on entendait très faible. Et même pendant la soirée d'Halloween de Shiny Hunt, en tout cas, on l'entendait pas en fait. T'as un excellent antichrist brillant. Un brillant. C'est ça que j'espère qu'il soit plus fort que moi en vrai. Imagine, il faisait le coup de la quête, tu sais, la quête secondaire de Pokémon Légende Arceus, où t'as le Ponyta Shiny, sauf que c'est Dantigris à la place. Voilà, trop heureux moi. Obtenez votre Dantigris Shiny. Ça augmente, mais moi je suis déjà trop fort en fait. En tout cas, ils ont compris que les villes ça sert à rien, bien joué à eux, parce qu'il y en a pas. En fait, Yori, un coup il crie, un coup il parle. Donc ça sert à rien. Donc c'est dur de le calibrer. Donc en fait, les jeux dedans. Enfin, quand tu mets rien dedans, ça sert à rien. Mais voilà, c'est ça, voilà. Quand tu mets le rien jeu dedans, est tellement fluide là. Ils ont bien fait de pas en mettre là. Ah, j'ai dit ça, il y a un truc. Oh, il y a Mysterb. Oh, ça veut dire qu'il y aura Jolie Flore. Oh, let's go. Il y avait Jolie Flore au tout début. En fait. Tant pis. De toute façon, dès le moment où il y a trop de monde, c'est trop dur à calibrer. Ah, mais oui, mais dans le DLC. Mais moi, je l'ai pas croisé, moi, en vrai. Ouais, c'est de. Bah, moi, j'ai pas fait gaffe en vrai. Hein. Moi, je de rester devant le micro. En fait, mon regard était fixé sur la Wii Fu, en fait. Dis-toi ça. Vraiment, moi, j'ai rien vu du début. Non, mais pour répondre à ta question, non, ça va. Hein. Moi, le début, c'est il n'existe pas. Ça va, ouais, ça. Ça se passe. Ah, merde, Grogorib a vaincu Grotan Mort. Je l'ai pas vu, le Grotan Mort, il était où? Ça se passe. Merde! Ah, il était là. J'ai posté le live sur Twitter, donc à tout moment. Ah, il y a Picasso. À tout moment, il y a des gens qui me suivent sur Twitter qui débarquent. Qui a compris le sang. Oui, effectivement. Voilà. Donc, globalement, je suis quand même plus content des Pokémon ajoutés dans ce DLC que dans le premier. Oh, il y avait quand même des starters dans le premier DLC, Dans le premier, c'est surtout les Pokémon spéciaux qui étaient sympas, tu vois. Mais... Ouais, effectivement. Exclusif était pas. Bah là, on rappelle qu'il va quand même y avoir un Raichu qui arrive. Ouais, Raikou. Raikou. C'est Raikou. Désolé, hein, mais quelle honte. Oh, mais c'est Cassis, hein. Mais c'est Cassis. Tellement hâte de voir. Putain! Le petit émo du DLC 1 là, il a changé. Ouais? T'as changé toi? Merde. T'as changé. Ah, ça y est, Sid retourne dans une grotte, c'est parti! Ah ouais, je cherche la merde aussi. Hein. Tu sais que je l'ai même pas vu en plus, cette grotte, hein. Vraiment, je suis aveugle, hein. C'est terrifiant. Moi, j'y suis allé, mais je suis pas allé en hauteur, du coup, en fait, je suis sorti. Non, mais c'est terrifiant, quoi. Vraiment, je suis aveugle, quoi. Genre. Pour pas avoir vu la grotte, comment faire quoi? Magby. Waouh, putain! Tiens, là. Oh! Y'a ton tacou normal!
Enfin, du coup, il y aura Terracool et Tentacool. Le fameux Grundle. Ah, mais t'es retourné dans la même. Non, je l'ai jamais vu, moi, cette grotte. Okay. C'est pas parce qu'il est paumé dans une grotte que c'est la même. Ah bah écoute, moi je sais pas. C'est une autre. Elle est sympa, d'ailleurs, celle-ci. Mais voilà. Ouais, 4 Pokémon, quoi. Comme toutes les grottes. Allez, je suis ressorti. Voilà, tu vois. Meilleure grotte. Bah voilà. Meilleure grotte de l'univers. Bah, s'il arrive à sortir, déjà, elle est pas mal. Attends. Mais attends, mais... Oh non, mais non, me dis pas... Non, me dis pas qu'il... Non, non, bah non, c'est pas possible. Alors, il y a un petit souci. Il y a Sepiatop dans le jeu. Ouais, bah, du coup, comment il évolue? Est-ce qu'il va falloir tenir sa Switch à l'envers, vraiment? Bah, c'est ce qu'il fallait déjà faire sur l'habitude. Oui. Ah ouais? Bah oui. Mais attends, mais non, mais Sepiatop n'existait pas dans le jeu. Bah, bien sûr que si. Mmh. Ah bon. Mais les haters de la budget ne le savent pas, ça. Hein, monsieur? Ah, je suis pas un hater de la budget. Qu'est-ce que tu saurais? Bah, sinon, tu saurais qu'il y a Sepiatop. Bah, moi, enfin, en vrai, j'aime pas Sepiatop, donc pas te mentir que bon. Même s'il y était, ça aurait peut-être faire... pas été mon. J'ai dû faire le Pokédex et du coup, j'ai dû retourner ma Switch comme un. Okay, okay. Comme un abruti. Ah, donc vraiment, tu ne peux juste pas le faire en fait en mode de docké. Bah, c'est bien, c'est pas mal. Incroyable, les lolos, genre. Ah, tu peux peut-être retourner les. Ah, tu peux peut-être retourner sur les gâteaux, oui, bah on l'a télé. Ouais, retourne la télé. Putain, quel enfer. OMG, y'a pas Zucam là. Ça lag tellement plus, c'est un bonheur. Ah, c'est vrai que. Poste côtier. Ah, franchement. Ah ouais, là. Ah, on est exactement au même endroit. Ah ouais? Moi je suis en train de capturer des Ramolos de l'eau là. Ah, trop bien. C'est un bonheur. Il était où l'endroit de fou à 60 FPS là en vrai? Je sais pas, c'était dans les montagnes, entre deux montagnes, il y avait une petite allée. Ok. Faudra que j'y aille alors. J'ai très envie d'expérimenter le jeu à 60 FPS. Et là, déjà à 30, c'est le jour et la nuit. C'est vrai. À part Young, vous êtes tous prêts à bouffer ou pas? Parce que vous êtes tous bien. Non, moi je vais aller manger dans 5 minutes là en vrai. Bah, de toute façon, en plus, on est plus en ligne techniquement. Il y a plus trop de problèmes. Ouais, ça posera plus de soucis. Là. Oh, il y a plus une ligne. Dommage qu'elle était déjà dans le jeu de base, quoi. C'est cool de l'avoir en rose comme ça. C'est vrai. En vrai, tu sais, la zone avec tous les arbres là, je pense que tu dois y être. J'aime trop en vrai, à côté du poste côtier. Non, je suis barré, j'étais là avant. Okay. La couronne de fleurs, elle y était avant ou pas? Plein d'arbres et tout, c'est trop coloré. De quoi? La couronne de fleurs, elle y était avant ou pas? Non. Il y a Guérilande, trop bien. Oh, chef d'œuvre. Ouais, je viens de le choper. Oh, trop bien. J'aime trop Guérilande. La merde. Vas-y, allez, c'est... Non, mais je suis dans une phase aigrie, là. C'est un Pokémon 7G, vas-y. Non, mais là, je sais pas, depuis que j'ai commencé l'apéro, je suis un peu aigri, là. Je suis désolé, mais je sais pas. Okay. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je sais pas, je suis dans un bad mood d'un coup, là. Mais ma vie, c'est un peu les montagnes russes, émotionnellement, en ce moment. C'est vrai. Bah ouais, je suis désolé pour toi, mais... Oh, j'ai une fleur en sueur. Tu sais qu'on t'aime tous, tu vois. Ouais, ça me touche. Après, Sid, non, pas trop, il nous aime pas trop, il a dit. Oui, c'est vrai, Sid nous aime pas, ouais. Sid nous déteste. Non, mais vous êtes des partenaires de jeu. Après. Ah, oh, on dirait Maître Toucan. On n'est pas amis, on est collègues de jeu. Oh, le jour où il m'a dit ça, ça a changé toute notre relation. On n'est pas des amis, on est des collègues de jeu. J'oublierai jamais le jour où il m'a dit ça. Ça m'a détruit. Moi, franchement, ça me ferait. On est des adorables amis. Mon collègue, c'est plus mon collègue. Mon collègue, c'est plus mon collègue. Bah, d'ailleurs, on le voit plus trop, quoi. Ouais. Bon, on va faire le low class là. Il est petit comme ça lui. Petit gris. Ouais, il est super petit. Bon, c'est de la meilleure. Ah oui, il est de retour, trop bien. Par contre, là, il y a du scénar et j'ai rien lu. Tant pis. Dans le scénar, donc. On va aller faire le scénar. Oh, il y a lui, trop bien. On va faire le vénère. Oh, Mystigrix, oh là 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 là. Oh là là là. En plus, c'est le jeu mal celui-là. Il est joli, hein. Il est mignon. Gros canon. C'est bien avec ton type insecte, ça fait pas de dégâts. OMG, Mysterbe. Ouais, on va capturer cette daube. Oh, il est tellement stylé. Pas.
Et ils ont foutu des... Merde, comment il s'appelle ? Parkroule ? Ouais. Dommage qu'il était déjà dans le jeu de base, quoi. Bah non, il y était pas, il fallait le... C'était dans les arbres, dans les arbres. Ouais, ouais, ouais. C'est tout en haut des arbres, mais c'était genre zone 1 ou 2, tu vois, genre... Ouais, mais bon, là, au moins, c'est... Il est là. Non, oui, là, il est par terre, oui, bien sûr. C'est vrai que la première fois, j'étais là en mode, bah, genre, impossible de le trouver, en fait, Parkroule. Et en fait, j'ai vu un guide, et c'était marqué en haut des arbres, je suis en mode... Ah, il y a... C'était un guide d'Exerve ou... Je crois pas en vrai. Parce que c'était un bon guide en vrai. Est-ce que t'as payé Est-ce que le mec demandait de la thune quoi? Non, ça va. Bon, ça va. Ouais, donc c'est pas donc un guide. C'est pas un guide d'Exerve. Impossible. De toute façon, déjà de base, le guide était bien. Alors, en fait, c'est le guide d'Exerve, mais avant qu'il l'ait. C'est-à-dire qu'il avait à copier-coller, mais. Oui, ouais. Enfin, rajouter un prix de. Putain, mais elle est où la couronne de fleurs? Je suis sûr qu'elle est dans ce genre de bio, moi. Allez, hop. Les récompenses là, il est en train de spam. Gueule, là. C'est mon beau-père, mec. On va se taper. Ce qui m'appelle pour manger. Mais dis-lui d'aller se faire foutre. Bah, les couilles, j'ai Pokémon, frère. Dis-lui d'aller niquer ta mère. Wow. Bah, écoute, je pose pas trop de questions sur ce genre de truc, mais je pense que c'est déjà fait. C'est le but de la manœuvre. C'est le but de la manœuvre. Putain, j'ai gagné une Safari Ball dans le Pokédex. Je te jure, ma gueule. Moi, j'ai gagné Menteur. Il y a des collègues de jeu. En tout cas, jusque-là, je suis là, moi. Bah oui, c'est toujours sympa, ça. Ah, c'est sûr qu'on aimerait toujours plus, en fait, c'est ça le problème. Bah, j'aimerais, en fait, par exemple, un truc qui a été annoncé, genre les starters, peut-être, un jour. J'avoue, par contre... Ah non. Ah pour avancer dans le scénar pour ça. Bah ouais, c'est ce que je vais faire. Bon, du coup, je reviens, je vais manger. J'ai bon appétit. Très bien, trop. Le plus moi, intéressant de la DLC, ils vont pas vous le donner comme ça. Bah, ils devraient. Moi, j'aimerais jouer avec des amis et pas des collègues de jeu. T'aurais fini en 2 minutes, quoi. Vas-y, pas trop, quoi. Bon, c'est où le scénario du coup? C'était. Non, attends, avant d'y aller, attends. Moi, je vais avec toi. Moi. Oh, il y en a. Ils ont deux tailles différentes, les... Bref. Tous les Pokémon, en fait. Viens ouais, toi, mais là, c'est flagrant. La grande délire. J'ai pas le droit de m'émerveiller. Non. Alors. Avec des collègues de jeu. C'est là, du coup, le disque Indigo. Des collègues toi, toi aussi toi aussi ça t'a fait mal, idiot, qui t'a dit ça. Non. Si ça t'a fait mal, dis-le que ça t'a fait mal. C'est... mort intérieurement. Voilà. Moi je me trompe encore de... Il s'en fout en plus, hein. Ah bien sûr. Bah oui, on est des collègues de jeu, je crois que c'est... C'est sûr qu'il s'en fout. Ouais, il faut que je réponde à vos attaques, hein. Non. Non, d'accord, merci. C'est pas des attaques, c'est des faits. Ah, eh. C'est bien dit, ça. Allez, le classe va rendre... D'ailleurs, Sid, j'ai une proposition à te faire. En tant que collègue de jeu. Ouais. Je vais faire une culisse tofu. Ça t'intéresse? Je vais t'interviewer. Une culisse tofu. Je vais t'interviewer dans mon podcast. Non, arrête. Tu seras le premier invité du format interview. Oh là là, et d'où vient le nom de site? Il y a un format interview que tu vas faire? Ouais. Ouais, j'ai deux, trois pistes là. Des chanteuses, des. Bronicia. Non, ça c'est. Ok. Bah. Imagine seulement. Je dirais. Avec grand plaisir. Je sais pas si j'ai grand chose d'intéressant à raconter mais sur ma vie. Ah, c'est une discussion chill, collègue de jeu. Ah vas-y, bah grave. Et puis un jour Bardakov peut-être. C'est... Ah bah ça. Ce serait le Saint Graal. Le Barda comme on dit. Ouais. Non on dit pas ça. Non on dit pas, moi je le dis en tout cas. Il est de la même famille que Jean-Pierre.
Alors, je crois que j'ai loupé. C'est pas. Croc horrible en sauvage, c'est pas mal ça. J'ai mis du temps à comprendre. Coco 77. Du coup, tu continues l'histoire ? Ouais, bah oui, là, je vais rejoindre la meuf. Là. Attention, ça va être très dur. Je vous demande de capturer un Pokémon d'Alo, là. T'es où ? T'es au milieu ? Non, regarde la map, il y a un point d'exclamation. C'est à droite. Ah oui, okay. Il y a Norman, j'allais dire, putain. Attends, mais... Oh, non. Bige. Ah, je suis pas loin. Ouais. Quoi le but, du coup ? Le but, c'est d'avancer dans le scénario pour débloquer les starters. Mais le but, là, c'était juste de... Tu vas vraiment nous dire comment il fallait avoir les starters, hein ? Non, je dis qu'il fallait avancer dans le scénario, parce que, comme vous voyez, vous êtes baladé sur la map et vous n'avez pas vu un seul. Donc, je peux me permettre de dire qu'il faut avancer dans le scénario. Mmh. J'ai pas dit comment. Mais attends, il est au courant, le prof, qu'on a déjà capturé 14 formes de lore. Mais je sais. Je suis arrivé devant lui, j'en avais qu'une seule, ça va. Non, deux. Impossible. T'es aveugle. Oui. Je vais te la prendre. Alors... La vitesse de Tarina en baisse, elle vole pas. Par contre, faut la retrouver, tiens. C'est un racaillou! Ça n'a fait aucun doute! Continue de lire One Piece. Non, moi je suis au tome 15. Je sais pas. 32, je crois. Ouais, je crois que je suis au 31 ou 32. Je viens de lire tout un tome qui est full. Full flashback. Ça m'a donné envie de crever. Hein. Elle est où la motivation ? Est-ce qu'on peut ban Parker ? Il est sorti un nouveau Pokémon sur N64. Salut Parker. Ah bah bravo quoi. Bel esprit. Ah, le cours est déjà fini ! Allez. Bah si t'as trouvé le Pokémon qu'il fallait. Ouais. Ah mais c'est bien, ça serait bien si c'était comme ça dans la vraie vie quoi. Le seum ! Dans le jeu de base. Ah ouais. Déjà, si dans la vraie vie il y a des Pokémon, faites pas tout ça à moitié en train de vouloir se suicider. Participer aux activités, ouais, j'ai trop hâte. Ah, bah, hé, méfie-toi! Méfie-toi! Comment ça, méfie-toi? Peut-être une activité avec un Bulbizarre. On sait pas. Méfie-toi. Bah, j'ai pas lu, voilà. Ils disent des trucs, ça y est. Ça te met des petites quêtes, je crois. Hein. Ah, je crois bien que c'est... Eh oui, et voilà. Et voilà. Les points myrtilles sont la monnaie de l'Institut. Vous pouvez les dépenser à la boutique ou à la cafétéria. Vous pouvez aussi utiliser l'ordinateur du club de ligue pour envoyer des PM aux autres clubs. On va créer un club. Et à partir de là, je ne réponds plus de rien, les amis. Je vous le dis. Donc on n'est pas obligé de jouer ensemble, ça me va. Oui, bah oui, en tant que collègue de jeu. Bah, on n'est même pas des collègues de jeu. On fait la Ligue des 4. Je sais pas. Il y a des simples connaissances. Il fait raid. Et 4-4. Motiti. Ouh, j'étais effectivement très doué. Alors ça se voit que... Est-ce qu'on attend pour se voir ? Ah bah ça c'est sûr c'est pas dans la vie qu'on dit. Il faudrait un point de rendez-vous. C'est faux, t'as du succès. On le sait. Ça se sait. Il y a du succès ou succès ? Je sais pas comprendre. Vous avez aucune pitié entre vous quand même. Bah non, on est collègues de jeu. Allez, la guirlande, c'est attrapé. Putain, il devrait nous faire une version de Noël, là, c'est le moment. Ah oui, j'ai terminé une quête 1 sur 10, tiens.
Il doit y avoir des quêtes. Oui, pour gagner du PM. Parcourir 500 mètres. Ah ouais, d'accord. Oui, ah ouais, c'est pas mal les quêtes. Moi, ça. Moi, je la fais pas dans la vraie vie seulement. Ah bah, c'est pareil. J'ai trouvé Roseille. Apparition massive des cailloux. C'est le rencard de l'histoire. C'est pas vrai en plus. En vrai, mais... Chaque fois il dit j'ai pas été à mon rendez-vous. Oui, ben bah, justement, oui, ben bah, voilà. Donc j'ai pas de rencard vu que j'y vais pas. Bah, c'est quand même pas mal déjà. Ouais, mais t'as des opportunités, tu vois, c'est déjà, à mon avis, infiniment plus que certains d'entre nous ici. Infinito, mais. On va parler pour vous, hein. J'ai pas dit qui. Moi, je vois des gonzesses tout le temps, moi. Je fais que ça. Ouais. Quand je parle pas, Puceau, moi. Ça fait longtemps qu'on me l'a pas faite, celle-là. Hey, demande à mes potes. Oh si non, c'est cette crêpe là. Oh non, pas cette crêpe. Bien sûr. Oh non. Bah oui. J'ai revu. Qui passe ça. J'ai revu une vidéo de lui là qui explique que. Oui. Qu'on lui fait tout le temps et que l'autre fois j'étais en train de tartiner une meuf, elle me l'a dit. Non mais j'y crois tellement pas du tout en fait. La gueule de. Donc, c'est la gueule de merde. Hein. Ah laisse-moi. Ah moi puceau. Moi puceau. Tellement malaisante. Roseille. On reviendra plus tard. C'est bien quand tu passes ça, quoi. C'est ça. Le jeu qui me demande où allez-vous. Putain, mais je sais pas. Je sais pas le jeu. Je sais pas. Pas où je vais. Donc faut aller voir Groseille là. Ouais. C'est alors allez où. Elle est avec une pote à elle et après. La DLC. Go Middle. C'est avec une coupe de cheveux. Oui. Non, mais je peux pas glisser, c'est juste que. Voilà. Moi je réponds, écoute. C'est ce machin là. Quelqu'un de serviable. C'est genre d'outil ça. Ouais, non. C'est la bagarre. J'ai complété le Pokédex. Voilà. Mais non. Pardon ? Ah, bien sûr que non. Il doit y avoir 50 milliards de starters dedans. Cas, compléter le Pokédex c'est très important dans ce DLC, je vous le dis. Ah ouais. Parce que ce qu'il y a à la fin, c'est super génial. Je le fais peu ouais. Importe. Du coup, alors, c'était quoi le leak qui n'est pas s'avère ne pas être vrai? Tu peux le dire ou ça leak d'autres trucs? Bah, ça leak des trucs parce que pour l'instant, tu n'as pas vu ces trucs-là. Mais en fait, je pense d'accord, que t'es bah au courant rien, sans ouais. Être au courant, c'est ça qui me tilt en fait. Vas-y. Ah ouais ? Non, non, mais dis rien, j'ai pas envie de. Non, dis rien. Mais de toute façon, Gouche, t'as été cliqué sur les spoils de. Oui, mais j'ai rien compris du truc. Voilà. Ça m'intéresse. Moi, j'ai rien vu, hein. J'ai vraiment rien vu. J'ai rien pris. Moi, je jure. Eh, moi, je vous dis, j'ai mon but bizarre, c'est bon. Tout va bien après. Et on avance. T'inquiète. Tu me fais bader le mec. Viens en avance. Ouais, viens. Non, en avance, ah, tranquille. On va arriver au point où en fait on va devoir le payer. Bah c'est 1€ le starter voilà. 1,20€ je crois. Bah je mets tout, je le mets. T'es combien y'en a? Je mets 3x8. 25 balles, je m'en bats les couilles. Et c'est pour mec, un exemplaire du mec hein. Il les paye bien plus cher sur C'est un exemplaire du mec et du coup il est pas shiny, il faut le racheter pour savoir s'il est shiny. Ça la baise. Eh ben on fera ça. Bah ouais mais s'il faut mettre 1000 balles pour avoir un bulle bizarre shiny. Eh, là on mettra la thune de la CAF et voilà. La CAF qui a payé le bulle bizarre shiny, on les remercie. Non bien entendu c'est faux. Ah bon? Mais bon. Bien entendu. Oui, ah, on sait jamais hein, avec c'est Game Freak. C'est plus 1€ 20. Mais je suis quand même très déçu. De...
parce que du coup certaines choses n'ont aucun intérêt. Genre voler dans des cerceaux. Aussi. Un nouveau charme. C'est ça. Et après c'est fini. Ouais, un nouveau charme. Ah bah, souvent, il y a un nouveau charme quand tu complètes le Pokédex. Il est pas seul lui. Ah. C'était quoi le charme du Pokédex du DLC déjà? Un truc de plus. Le charme de merde. C'était pour les pistes mais c'était pas ça. Je me souviens que j'avais été déçu. Mais je me souviens plus pourquoi. Ah merde! Attends, t'es un cristal en quoi? Ah mais en plante, elle est con. Non mais en vrai quand on complète le Pokédex il y a un truc c'est un truc stylé. J'ai eu pas de mort. C'est quoi ma prochaine mission? Capture un Pokémon, ben on va capturer pas ça. Il va avoir le premier shine. Personne. Je me dis que ce sera pas moi. Parce que tu mérites pas, c'est pas karma. J'ai l'impression que je mérite pas du tout en fait. J'ai dû faire un truc dégueulasse dans ma vie. Dans une vie antérieure. C'est possible. La vie, cette vaste blague. Organisée. La vie, cette sale race. Je la ref. Je reviens les gars. Yes. Il revient comme tu veux. Viens les collègues de jeu. Le mec qui nous laisse, il part du serveur. Par un volo quoi. Non mais c'est quoi ces combats du jeu de merde? J'aime bien les combats du jeu mais encore une fois la caméra elle est chiante. OMG, qu'est-ce qui se passe? OMG. Oh my god. Oh my god, it's so big. Oh. Pardon. Les béfions là. Pokémon qui devrait être dragon. Les couilles là, calmez-vous. Hop, il est bon, il est dead. Il a changé le petit Cassis. Ouais, t'as vu ça un peu? Je sais même pas commencer à parler à Roseuil. T'as pas tout vu. Michel du club de la Ligue. Sur la notion de club. Je sais, le Brésil vend des Velux. Il va de ville en ville. J'adore quand il veut démissionner, c'est parce qu'il se trouve nul et tout.
Attends, t'as son rire, Michel. C'est le Brésil. Hein, ce mec. Iridon. Ouais, il est pas mal, lui. J'aime bien. Guéridon. Guéridon. Qui c'est qui ouvre la ligue, hein? La ligue, la ligue. Hein, pas, y a pas une ligue. Ouais, il y a une ligue. Il y a une ligue. Est-ce que je fais un live? Commence du scénar. Faut que le chat vienne me faire chier. Ok, alors. Ok. Eh bien, re. Re. Ça va. Bah écoute, ça va, toujours à peu près bien. Ah, il y a Mr. Fuzz, salut. Tu peux faire des œufs? T'avais un truc à faire. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, oh, c'est qui ça? Oh, pas mal. Ah, mais c'est l'autre con! C'est l'autre con. C'est la tête qu'il a? Mais oui, il avait changé de coupe à la fin. Oh, c'était le cliffhanger, c'est vrai. Le cliffhanger de changement de coupe, quoi. OMG, ça part de là. Mais ouais. Tout part de là. Part de là. C'est pas de quoi tu parles. Jonathan. Jonathan. Part de là. Wow. Ah, il y avait le flambeur. Ouh, il y a des vibranefs, je les avais pas vus, ils sont beaux. Ouais. Ils sont belles. Oh. Oh, oh. Ah, moi c'est juste que vibranef, je trouve que c'est un Pokémon de merde. J'aime rien. Oh cool. Mais t'aimes pas parce qu'il devrait être type dragon. Ah non. Non, c'est... non, t'aimes bien Tarinor, et oui. Bah oui, c'est incroyable. Ça, bien que c'est... entre poteaux. Entre collègues. Et... moi, je pense que tout part de là. 200 PM. Alors. Oh. Avec 200 PM. Ah, j'ai eu 200 PM. Consultant de lancer de Pokéball. En échange d'un don à mon club, je vous propose de réfléchir à des lancers qui ont trop la classe. Ah, ouais. Quand tu fais les 10 quêtes, t'as une quête plus dure en fait. Plus dure que faire 500 mètres? Ouais. Waouh, ça doit être chaud. Faire 600 mètres peut-être? Non, c'était se battre contre un Pokémon Terra Crystal. Ça te donne plus de points en fait. Ah, le fameux charme. What? Se battre contre le fameux Dentifrice. T'as eu le charme? J'ai eu le charme, ouais. Moi, je veux juste créer mon club en fait. Moi, faut me payer pour venir. Il y a de quelqu'un de date. Pas de date irréel. Ok. Ouais. Je suis comme Colomouane pour ton club. On met des PM. Ouais. Lancez vos Pokéballs avec classe. En échange d'un don, je vous propose de réfléchir avec vous à des lancers. Du PC. Ah, tu peux changer ton style de lancer de Pokéball comme sur... je sais plus c'était quelle chaîne de merde.
C'était pas la 6. C'est la 7, non, je crois. Je crois que ça a commencé maintenant. Ok. On est obligé de faire ça. 3000 PM. Ah bah si, on est obligé. D'accord. J'en ai déjà 300, j'ai pas fait la votre quête là. Non mais je sais pas, quand tu reviens dans le PC, biodiversité dans la zone savane, apparition de nouvelles espèces de Pokémon dans la zone savane. 3000 points. Ah oui, d'accord. Faut farmer. Il va falloir farmer les PM là, mais comment on les farme les PM? Bah tu fais les petites quêtes en haut. J'avoue, je comprends rien. La quête là, je dois aller dans ma chambre. La chambre. Oh, moi. Et voilà, mettez-nous qui. Allez, y arriver. C'est vrai que c'est dur. Hein. De donner du fric. Et vous allez. Ferme stabilité. Et 3000 par zone, ouais. Bah. Venue du club. C'est quoi le charme? Ferme stabilité. Paul. Il a skip tout, Sida. La stabilité, bah, c'est pour fait, la capture et tout. Bah non, j'en suis loin, moi, encore. J'ai pas encore vu Ronisia, là. Ronisia. Osei, s'il te plaît. Le champ de stabilité, ça marche pas du tout. Hein. Ouais. Allez, tard plus. Ah ouais. Fait que je sais pas ce que ça fait, ça. Ah. Les tartines. Trop bien ma perche multi smart. Ma chambre. C'est la même chambre que à l'université, c'est pas mal. Oh, mauvaise langue là. Non, non, c'est la même chambre. Et une nouvelle tapisserie. J'en ai la moquette. Ils ont fumé la moquette. Mais ils ont pris de la drogue. Du coup, il faut 3000 puntos. Ça paraît compliqué cette affaire, non? Ouais, mais si on peut faire ben... la bouffe, non en fait. Ah, maintenant il fallait discuter avec Irido. Oh, il est trop mimes. J'aime bien ça. Non, je le déteste. Qu'est-ce qu'il est mimes? Comment payer là? Essaye Irido, mais j'ai pas envie de lui parler moi. Excellent commence. Non, c'est pas lui. Et c'est la même cantine aussi que l'école. Pareil, ils ont changé le papier peint. La pizza, elle a l'air incroyable. Non, c'est pas le cuistot Irido. Ouais, bah. Je sais pas, le truc était orange au-dessus de lui. Hein. Ouais, c'est pas lui. Si tu peux porter à confusion quoi. Tout à fait. Ça va, heureusement que c'est pas l'ingé parce que sinon tu te seras infligé de dégâts toi-même. Il y en a des vis dans la tête l'autre, putain. Au secours. Pinhead le bordel. On sait déjà quel type ça va être quoi. C'est pas là qu'il fallait aller, c'est pas dans la caf. Ici. Ici. Et il est où? Et oui, il faut pas parler au cuistot. Et ouais, il m'a baisé. Faut parler à quelqu'un d'autre. Il a baisé 50 points. On parle d'Elvis là, putain. Elvis Presso, ouais. Ça fait. Ah, si j'avais un troisième bras pour pouvoir boire et appuyer sur le bouton A en même temps. J'aurais bien dit que j'en ai déjà un. C'est marrant, ça, Lyon. Eh, ouais. Allez, un petit Tentacruel. Ils sont beaux quand même, les Tentacruel, Tentacruel. Ils sont bien. Bien. Bien, ouais. Pas shiny. Ils sont bien brillants, mais c'est pas brillant, quoi. C'est juste brillant. Ouais, allô? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir.
Oh merde. Oh merde alors. Bon, est-ce que c'est encore le meilleur jeu du... de l'année ? Toujours. Bon, ça fait 10 minutes que je spam A, mais oui, toi, bien. Ok. Du coup, t'as déjà vidé ton shot de... Ah, c'était Young. Ah, c'était Young, ah merde. Ah, mais... ah, je pensais que le défi s'appliquait à tout le monde, moi. Ah non. Ah, moi, j'ai pas été informé du défi. Tu nous écoutes pas, tu me détestes. C'est vrai. C'est pas faux. OMG, y'a Lumineon. Alors, faut juste me mettre des pointeurs, les gars, parce que vraiment, je sais pas où c'est, voilà. Je peux t'amener Norman, si tu veux, mais... Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est quoi, ça? C'est Piatop. Allez, d'accord. Oh, il y a une grotte. Dédale des torches. Bah tiens. Oh, Ramolos. Et Ramolos. Oh, il y a tout piqueur de là, chez l'œuvre. Eh, l'eau, elle fait des reflets. Trop marrant. Hello, Yoshi. Exactement. Non mais c'est une blague là, c'est quoi Cassis là, c'est... mais wesh, vraiment? Mais qui dit un Cassis? D'ailleurs en anglais il s'appelle Carmine. Ouais, je la ref. Et genre, il a glow up tant que ça? C'est quoi, il s'est passé 15 ans entre les deux DLC? Deux jours. Il est devenu maître de la ligue. Aïe. Mais sans Garpon, du coup. Ah, c'est maître, là. En maillot de basket. Allez! Eh ben, mon vieux... Tout personne ça n'a encore eu de shiny, d'ailleurs. Non. Faudrait pouvoir jouer pour ça. C'est pas faux. Bah après, moi, je suis en train de jouer. Hein. C'est vous voilà, qui avez t'as décidé... bien raison. J'ai pas fait la quête non plus. Ah, c'est vous qui avez décidé de... Voilà. Ouais, c'est... Bah, faut aller... un moment faire bouger les choses, parce que... Starter. Vaut mieux s'infliger les trucs de chiasse dès le début, tu vois. C'est confirmé, du coup, que les starters sont là après l'histoire? Voilà, après l'histoire. Bah, apparemment, Young a peut-être... Faut avancer dans l'histoire. Ok. 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 Okay. Let's go. Let's je pense go. qu'on est en plein okay, dedans. Ok, donc ça part sur ce péta, quoi. Péta, oui, le cousin. C'est qui est bon. Et bah, c'est parti. Attends, là, ça se péta, là? C'est la ligue, quoi. Bah, moi, je vais péta... Enfin, je suis rentré dans un dodio, mais après, je vais péta un mec. Ah ouais? Ouais. Mais c'est pas la ligue. Imagine, ah, c'est là. En train de contrôler une petite bagnole, là. Ah, c'est les arènes, là. Bah, je pense, hein. Les arènes, c'est vite dit, quoi. Affronter le conseil 4 vous coûtera des PM. Non mais si, en vrai de vrai, là, moi ce que je te conseillerais de faire, c'est de farmer les PM. Mais pourquoi? On fait pour farmer les PM, en fait. Pour avoir les starters. Ouais, mais peut-être qu'ils gagnent des PM quand ils gagnent la ligue. Mais le problème, c'est que pour affronter le conseil 4, il faut dépenser des PM. Ouais, mais peut-être que t'en gagnes par personne, non? Si tu gagnes, tu gagnes des PM, du coup. C'est quoi, c'est une nouvelle monnaie? Mais du coup, voilà, comment est-ce qu'on fait pour gagner des PM, c'est ça? Bah, ils disent de participer aux activités myrtilles. Ah. Les activités mon cul, tout ça. Mais comment on les voit? Je suis sûr que si tu les bats, tu gagnes des PM. Attends. C'est pas possible que tu dépenses des points et que tu gagnes rien en échange. Oh. Sur la map bah, droite, droite. Tu dépenses peut-être des PM pour ah. gagner d'autres réponses. Battez 10 Pokémon en auto, 20 PM, capturez un Pokémon, prenez mais en photo un Pokémon. Mais non. Non, je vois pas, tu vois où tout ça? Flèche de droite. Flèche de droite. On est en photo un Pokémon d'accord. sauvage qui nage. Mais oh, moi en vrai je vais faire nul. Ça. Nul. Hein. Bah je vais le faire aussi mais c'est un peu nul quoi. C'est quoi? C'est des genres d'émissions quotidiennes et tout? C'est genre des trophées PSN quoi. Oui c'est ça. C'est même moins intéressant. Péradome. Ah,
clair. Mais en combien vrai, ils font péter mais ça dépend, c'est que pour toi. Bon, mais on a en, vrai, en vrai, il faudrait créer un club. Parce qu'on peut envoyer des PM, ouais. Ils disent à ses amis ou je sais pas quoi là. Waouh, tellement de Guillaume qui veut qu'on lui envoie des PM là. Ouais, je te jure. Casse-toi. Non, ce qui serait pas mal, c'est de club pouvoir de créer un club. Oui, mais c'est et, ça. Et que en gros, dans les personnes du club, quand ils font des défis comme ça, ça envoie des PM aussi aux autres. Alors ça, je suis pas sûr, mais je sais qu'il y a un délire comme ça. Ça pourrait être pas mal. Mais... Ah, le PC qui fait le bruit de, du PC. Pas mal de... les lolos. Le bruit de. Et comment que vous voyez l'émission là? Parce que j'ai vu Sid ouvrir un panneau. De droite. De droite. Non mais moi je les ai pas encore et je pense que dans le plus idiot vu qu'on a pas. Parce que. Si, par si, exemple, c'est quand tu parles à la meuf d'Alola. Ah, bah je lui ai jamais parlé. Donc, pour 3000. Amélioration de la zone savane. Oh! Apparition de nouvelles espèces de Pokémon. Amélioration de la zone savane, 100% c'est. Les starters. Ouais. Enfin, les starters de la zone 3000, savane. 3000, hein! C'est ça, 3000. Mais wow. Maintenant, est-ce qu'on peut créer un club? Ouais, là, ouais, sur le PC, il n'y a que des améliorations, mais on peut pas créer de club. En fait. Après, il parlait peut-être du club Union. C'est le truc de base. Ah! Peut-être. Oui, donc ça veut dire non, parce que t'es censé avoir un. Qui... savoir l'interface du club en fait. Changer de menu. Quand t'es en club union, t'as une interface. Ah, mais non, c'est pas ça. Là, si, c'est avec son grain de cancer là. Ça va, faudrait peut-être qu'il aille consulter parce que. Capturer un Pokémon. Peut-être choper un truc que j'ai pas, ça serait bien. Tiens, taureau, je crois que je l'ai pas chopé. C'est vraiment la même animation que le taureau de Paldea, mais en normal. Ouais, mais il est normal. Bah, c'est un peu la même chose hein, de base. Ah ouais, mais il aurait pu faire une autre animation, je sais pas. Bah, moi. Les spéciaux, ils ont des animations spéciales pour les queues. Regarde, tous les êtres humains, on n'a pas tous les mêmes animations. Pourtant, on fait pas la non. Même... Sur Twitch, il y en a beaucoup qui ont la même animation. C'est pas faux, c'est pas faux. Oh, je suis tellement fan de la grotte électrolyte, par contre. Je vais tellement être moins fan quand faudra ressortir, par contre. Bah si, tu vas être fan quand tu vas ressortir, mais... Oui. Tu vas être moins fan quand il va falloir chercher la sortie. Oui, voilà. Alors... Ah ouais, parce qu'en plus c'est sur plusieurs niveaux et tout. Ah ouais, non mais d'accord. Ah oui, tenir les starters. Liste Indigo introduit une nouvelle mécanique intéressante. Le Pokémon sauvage change au fur et à mesure de votre progression. Putain, les apparitions ça part, supplémentaires, y compris les starters, vous devez faire don de BP en utilisant le PC de la Ligue du Club. La Ligue du Club. Les starters apparaissent dans la nature, la biodiversité se retrouve boostée. Ah bah j'espère bien parce que là il y a 4 Pokémon différents qui se battent. Bon, Toujours en train de se plaindre. Ah bah écoute. Vous prenez un Pokémon en lui lançant une Pokéball par derrière. Ouais, je l'ai eu aussi celui-là. Ah oui, je l'ai fait. Moi, je l'ai gravé tout. Quoi. Je l'ai eu sur Dodio. On peut pas créer tout de temps club de nous-mêmes. En même temps. Ball dans le cul. De quoi hein. Pas créer de club nous-mêmes en fait. Bah non, je pense ah pas. Ouais on n'est pas dans le futur encore un Pokémon. C'est quoi, faut demander à Nintendo qui nous en crée un, c'est quoi le... Non, mais je pense qu'il n'y a pas de truc de club en fait. C'est... Bah t'as dit Pokémon en auto. C'est personnel en fait le club. C'est pas avec des amis. Ouais, enfin c'est un peu con du coup d'appeler ça un club si c'est perso du coup. Un club de 1, c'est tout. Un club de... Ah oui, il peut pas taper les... capturer une photo. Oh le bâtard, comme il m'a foncé dessus putain. J'ai déjà vu un clip d'un taureau qui fonce sur un mec, sauf que le taureau c'est shiny. Ah je crois que je l'ai vu, ça me vient. Du coup le mec s'est fait shiny hunt en fait. Trop bien. C'est pute. Oh
Oh, et les anchoites, j'en peux plus, vas-y, c'est bon, là. Et 10 quêtes, t'as une quête pour 100 PM, ok, ok. Ah oui, d'accord, c'est ce que l'idiot disait tout à l'heure. La rouge que j'avais dit. Ok. En vrai, ça se fait, mais c'est les quêtes sont tellement nulles, quoi. C'est... Ah, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est ça. Mais bon, ça vaut le coup, je pense. Bah, pour avoir des starters dans la nature, oui. Oui, oui. Et je le ferais vraiment 4 fois s'il le fallait, hein, vraiment. Mais c'est vachement, quand même. Non, mais par contre, attends, non, une fois que tu l'as amélioré, la zone, elle change tout le temps, ou c'est genre, tous les jours, faut le faire? Non, non, tu l'as, c'est permanent. C'est débloqué, ouais. J'espérais. Je sais pas, hein. C'est permanent. Vous allez inventer des trucs pour vous foutre les jetons vous-même. Je sais pas, Young. Ouais, c'est surtout parce qu'ils en seraient capables, en fait. Non, mais je suis déçu pas de ça, mais... Je suis de la vie, de base. Ah ouais, bah ouais, mais ça... Bah bon, par contre, Negapi, il existe dans un univers parallèle ou Avec un nom pareil, il a dû se faire cancel. Hein. C'est pas faux. Allez. Bah, tu déconnes, la sortie elle est trop facile à trouver en gros. Non, mais je suis handicapé aussi à la base, okay. Faut le savoir. Comme la faute. Hein. Quand même, hein, même si t'es que notre collègue. Même si t'es que notre collègue de jeu. Vous avez le droit, hein. Un Pokémon. Fabriquer une CP. Je me demande. Attends, je suis. Ah non, je suis à l'autre sortie en plus, du coup. Je suis même pas. Il y a plein de sorties en fait. Bah, en fait, il y a deux sorties principales, j'ai l'impression. Une dans le biome de glace et une dans le biome en dessous. Mais sinon, je sais pas du tout s'il y a des plus petites sorties ou pas. Ah, c'est vrai que c'est loin le cinéma. En fait, j'ai juste eu à remonter en fait dans la gigantesque grotte principale, tu sais, la grotte ma super chambre verte, et tout. Et direct, tu vois la sortie. Ouais, il y a un bon moment de blabla, bien inintéressant comme ils savent faire, quoi.